principale information après la guerre pour nous développer matin un journal ça non attaque à gang yo yon hélicoptère Nations Unies avec trois membres d'équipage ensemble avec 15 passagers à bord liés recevoir balle hier jeudi d'après plusieurs sources. Incident arrivé pendant hélicoptère Pamnan tap volé sous quartier yo gang yo contrôlé quartier Caravine. Pas gagné aucun monde qui est blessé. Hélicoptère a été atterri sans danger dans la capitale là d'après Miami Herald. Attaque ça yo selon ambassadeur américain dans une interview à Radio Métropole augmenté comme réponse à changement stratégique gouvernement dans attaquer bandi à Zamio. Ça qui baille qu'est sauté sous possibilité pour annuler vol domestique à commercial yo et puis déranger service hélicoptère Nations Unies yo qui est essentiel pour délivrer aide humanitaire à la population qui bloquée à cause route nationale yo qui en bas contrôle bandi yo. Gang Axamio attaque tout des machines ambassade américaine de Port-au-Prince côté au moins yon na machine blindée yo recevoir balle qui crase yon nan vite li yo sin kwe journal américain toujours n'a parlé là de Miami Herald ambassade là pourquoi il a paré pour évacuer yon parti d'employés diplomatiques li yo encore à cause de violence yo qui augmenté dernier jour sa yo en dan pays a notamment dans région métropolitaine ensemble avec la Tibonite. En pile moun qui habitait Tabar 27 Delma 24 à Casolino yon quartier stratégique qui bay gang yo accès dans quelques zones dans capitale là obligé courir quitter la caillou à cause attaque répétée bandi vivent ensemble yo majorité moun qui déplacé yo c'est femmes c'est ti moun et puis c'est grand moun mais en pile les jeunes garçons yo même yo rete pour faire résistance pour empêcher bandi criminel yo prend contrôle quartier Solino. Trois mounes parmi eux, yon policier mouri hier jeudi à quartier Solino, victime yo mouri à Gabal dans zone rue Anglade pendant échange coup de zam entre la police nationale d'Haïti ak mam gang coalition vive ensemble yo. Situation a toujours été compliquée dans quartier Solino à Kedelma 24 depuis 17 octobre passé an, après attaque répétée bandi ak zam yo kap chèche pran contrôle zone si la. Et puis gagné trois moun oui gagné sur 10 là plus passé 10,000 moun déplacés dans capitale là dans moins passé une semaine après attaque gang Axamio. Situation ça y arrivé dans Port-au-Prince Delma ak Tabar sorti 18 pour arriver 23 octobre passé d'après organisation internationale pour migration OIM qui précise tout 8361 moun forcés déplacés dans Port-au-Prince ak Delma pendant y ajouter eh bien 1,695 l'autre monde qui déplacé dans commune Tabar qui te me Johnny plusieurs présumés bandits parmi eux yon femme mouri dans échange coup de zam avec la police pas trop loin ça vient dans base Grand Griffe dans Ti Rivière la Tibonite d'après PNH là femme ça c'était fait partie yon groupe criminel qui a opéré dans zone ça et puis elle a gagné un fusil d'assaut dans main li était engagé dans échange coup de zam avec force l'audio la police a cassé pour ces missions multinationales là qui t'ont fouillé plusieurs cailles bandits habitués utilisés pour commettre des actes criminels annoncé les saisies ont fusil d'assaut pendant opération yo cap rap possible dans le moment n'a pas les là. Il y a un gars de côté jamaïcain qui voyait tourner dans la ville au Kay, 17 citoyens haïtiens parmi eux, un petit monde, 14 l'année, 4 femmes, ça arrivait hier jeudi, haïtien ça y est, vive dans une situation illégale dans le pays Jamaïque depuis environ 6 mois, arrivé 5 l'année. Blackout général dans zone métropolitaine Port-au-Prince qui vient dans la cause c'est tout pays à net qu'on y a qui en bas blackout et bien pour région métropolitaine là y a pas une technique dans centrale Pelig la cause yon blackout général dans Port-au-Prince ak zone qui environne lieu depuis 2 jours d'après responsable dans électricité d'Haïti technicien EDH a travaillé sans arrêté pour résoudre problème là institution mandé population prend un petit patience pendant travail là après poursuivre situation si là affecté plusieurs quartiers dans capitale là côté résident yo a fait face à une difficulté grave dans ça qui pour accès à électricité.